un casque destiné aux professionnels, comme par exemple les DJ ou les créateurs de contenu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui les amis avec le Monitor 80 de la marque One Audio. Son prix en réduction est de 120€, donc ça nous annonce d'entrée de jeu un petit peu le potentiel de qualité qu'on peut avoir sur ce produit. Le collier est juste ici les amis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je remercie la marque One Audio de m'avoir envoyé ce produit, on va le tester aujourd'hui. Donc si vous recherchez un casque ou quelque chose pour écouter justement vos enregistrements ou des sons de façon optimale et pratique, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que ce produit va vous plaire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de marquer j'ai activé la cloche de notification, et en échange voici des codes promo, c'est cadeau. Obtenez 20% supplémentaires sur ce casque, obtenez 20% supplémentaires sur le casque que je vais présenter en ajoutant ce code lors de votre commande. Et si vous avez besoin d'écouteurs, et ben c'est cadeau, 40% de réduction avec ce code sur leurs écouteurs. Voilà, on reprend la vidéo. Allez, je vous laisse vous abonner et puis on commence cet unboxing directement avec le plan unboxing du produit et découverte de celui-ci ainsi que l'ouverture. Donc c'est parti. Et bien heureux les amis, donc j'ai évidemment une petite fiche avec des caractéristiques pour vous détailler un petit peu tout durant l'unboxing. On se retrouve donc avec le colis. Bon, il a été un petit peu fracturé, mais j'ai la totale confiance de la marque parce que, regardez bien, dans tous les cas, on a quelque chose d'assez épais et je suis sûr que c'est bien protégé à l'intérieur. Je connais déjà la marque. Les voisins vont croire qu'il y a des coups de feu, c'est n'importe quoi. On a quand même quelque chose d'un peu plus épuré et ça, ça fait plaisir. Il y a un espèce de revêtement un peu brillant, c'est assez cool. On a le produit juste ici, un peu en surbrillant, et bah on a un packaging qui est très bien pour l'expérience utilisateur. On enlève tout simplement le revêtement, même si on peut regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc on a les avantages du produit. Voilà, il est bien vendu, il est bien fait. Et maintenant, comment on ouvre la boîte les gars? Comme ça. Et on a quelque chose d'énorme. Mais c'est quoi? On dirait une boîte d'AirPods noire géante. C'est incroyable. Voilà, un truc simple et efficace les gars. C'est ça qu'on aime. Et puis c'est assez joueur, c'est assez intuitif, parce que on enlève le bouchon et on a directement le produit comme ça. Et là on a la curiosité qui vient et on se dit qu'est-ce que c'est, comment ça se s'ouvre. C'est assez marrant et c'est assez intuitif à utiliser. Avec un petit mot de la marque, c'est plutôt leur manuel d'utilisation. Ils ont vraiment un travail de branding derrière tout ça. Et ils ne font rien au hasard. Et on a le casque juste ici. Alors ce que je vais aimer les gars, ce sont les coussins en velours. C'est vraiment du velours et ça va être vraiment agréable par rapport à des casques où est-ce que c'est en cuir. Des fois c'est peut-être pas forcément agréable ou quoi, si on transpire ou quoi, je ne sais pas. Mais là d'instinct j'ai l'impression que ça va être beaucoup mieux. Et le casque est lourd. On sent qu'il y a quelque chose, on sent que c'est de qualité. Enfin, c'est la pression qu'on a quand on porte le casque. Une impression de qualité qui est au rendez-vous, les gars. Fourni avec ça, du coup, on a quelques câbles. Alors évidemment, ce casque, on pourra le connecter sur PC fixe, PC portable, téléphone et également bah, d'autres instruments de musique comme des guitares ou des pianos, parce que c'est dédié aux professionnels de base. Donc autant vous dire que là, on ne s'adresse pas à des personnes professionnelles sans avoir un minimum de qualité sur les produits. Alors ce rangement est très intuitif, très joueur et j'adore le concept. Le concept est incroyable. On nous dit qu'on a une grande précision de son, alors j'ai hâte de voir ce que ça donne. On a moins de 1% de distorsion et on a un grand confort quand on le portera, évidemment grâce au velours et aussi au coussin juste en haut qui est très doux et très agréable. Et puis de toute manière, ça reste réglable et assez facilement. Donc on pourra l'adapter selon votre tête, selon si vous avez pris le melon ou non. Pourquoi j'aime faire des blagues de merde comme ça? Putain, ça me fait rire. Bref, écoutez les gars, je pense qu'on va passer à la cinématique pour voir un petit peu de plus près le produit ainsi que des caractéristiques poussées. Et ensuite, on se retrouve pour un test, pour tester l'objet et voir s'il est bien ou non. Donc c'est parti. On est donc parti pour la cinématique du Monitor 80 de chez One Audio, un casque filaire professionnel destiné aux créateurs de contenu et aux métiers du son. Alors, il est ARS Audio, c'est-à-dire que c'est un insigne qui signifie que c'est haute qualité sonore. On a une très bonne définition du son et on va le voir juste après quand on va le tester. Les coussins sont en velours, donc c'est très agréable à porter. Le matériel est robuste et testé par la marque pour durer dans le temps. Ce casque est compatible PC, PC portable, téléphone et aussi avec beaucoup d'instruments de musique. Car je le rappelle, il est destiné en priorité aux professionnels. Maintenant, on va passer au test pour voir ce qu'il vaut réellement. Et je vous avouerai que pour vous spoiler un petit peu, j'ai été très surpris. Et bien heureux, après avoir caractérisé le produit et donné des spécificités à ce produit, je pense que le mieux restera évidemment de le tester sur le terrain pour voir si il est bien ou non évidemment. Alors il est ici, je vais le mettre et je vais vous dire un petit peu ce que je ressens au niveau du confort de ce casque. Il est très confortable et ce qui va être bien pour mon cas, personnellement j'utilise tout le temps des écouteurs quand je suis sur mon ordinateur. Pourquoi? Parce que j'aime bien entendre ce qui se passe à côté. S'il y a une porte qui claque, s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un, je ne sais pas, j'aime bien. J'aime bien ce fait de pouvoir contrôler mon environnement et pas être dans ma bulle. Et bah là c'est clairement ce qu'on a avec ce casque. Parce que le velours va pas englober complètement notre oreille dans notre petite bulle, elle va nous permettre de pouvoir entendre ce qui se passe à côté. Après évidemment il faut le régler, mais pour l'instant, bon,
Là, je le sens bien, donc je vais le laisser comme ça, évidemment. Et si vous êtes monteur vidéo ou bien DJ ou bien vous faites des instrumentales, je pense qu'avoir une précision du son, c'est hyper important dans ce que vous faites, parce qu'il y a des détails, bah, simplement qu'on n'entendra pas. Si je prends mon téléphone et que j'écoute une musique comme ça, je vais pas entendre tous les détails que si j'ai un casque comme ça et que j'entends réellement tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc écoutez, maintenant, je pense que le mieux à faire, ce sera d'écouter une musique. Mais par contre, je sens que je vais me faire strike ou quoi. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais déjà écouter une musique classique, entre guillemets, que j'ai l'habitude d'écouter, par exemple. Et je vous dis un petit ressenti sur la musique. Plus viennent les rappeurs chez tous des collégiennes. Ce mois-ci je prends un cache-terre dans la poche. Que les vacances. Zipette, zipette, FFU. Bon là chaud les gars, je ressens aucune déformation du son. Je sens une qualité et une précision. Justement cette précision qu'on nous parlait, je la ressens. Et par contre un truc exceptionnel, ce sont les basses. Les basses, elles ne déforment pas le son. Généralement, quand on a un casque qui coûte pas trop cher ou quoi, et qui a un petit peu de basse, des booms, etc., et bah ça va déformer le son. Alors que là, on garde une très bonne qualité, en fait, on garde toute la qualité du son, et on entend les basses. Et c'est quelque chose d'assez agréable. Le son est complètement pur, et c'est ce qu'on recherche. Maintenant, les amis, permettez-moi d'aller voir un son en 8D. 8D, en fait, le son va tout simplement nous passer devant la tête, en fait, tout autour de notre tête, et pour tester un petit peu le 3D du casque, entre guillemets, enfin, du moins, la 7.1 plutôt. Alors ce qui est incroyable, c'est que ça joue avec nos sens en fait. J'entends la musique qui au début passe autour de ma tête, ensuite ça passe derrière et devant, et aussi en fait ça fait un petit tour au-dessus de ma tête. La musique va de gauche à droite en partant d'en haut. Enfin c'est un délire. On arrive clairement, par exemple, on arriverait à jouer normalement à des jeux de guerre par exemple. On dirait, mais les gars, on dirait un média qui parle des jeux vidéo, c'est aberrant, alors que j'étais maître prestige sur BO2. Et pour moi c'est réussi, ce casque est complètement réussi, dans le sens on a un son qui est très pur, des basses très correctes, aucune déformation du son ressentie, une précision du son bah du coup qui est inégalable. Donc on va passer à la conclusion les amis, c'est parti pour une jolie conclusion. Et bien heureux, alors pour la conclusion les amis, je dirais que ce casque il est très bien si vous voulez jouer correctement à un jeu vidéo et que vous avez besoin de vous repérer dans un environnement 3D. Si vous faites du montage ou bien de l'édit de son, alors là c'est parfait. Et si vous êtes DJ, bah également, je pense qu'après, les gens qui peuvent avoir besoin de ce casque, bah ça peut être nombreux. Pourquoi ? Parce que bah évidemment, on fait beaucoup de choses avec de l'audio sur internet maintenant. Tout le monde, enfin presque tout le monde a besoin d'avoir un son correct pour pouvoir bien travailler. Maintenant au niveau du prix, actuellement il est à 100€ au lieu de 120. C'est une réduction, donc n'hésitez pas à aller voir en description le produit. Et pourquoi pas le commander si ça vous intéresse vraiment. Avec un casque comme ça, vous serez complètement parfait pour jouer ou pour faire des vidéos ou quoi. Et vous n'aurez aucun souci avec l'audio, en fait, tout simplement, vous aurez quelque chose de qualité qui vous permettra d'entendre ce qui se passe autour un petit peu de chez vous et de pas être complètement dans une bulle fermée, tout appuyé, tout poutré comme j'aime bien dire. On garde une certaine liberté de mouvement. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais souvent des tests tech comme ça et des ouvertures de colis dits unboxing. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. En tout cas, nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.